Céline, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. C'est le moment de lancer ce fameux défi lapin. Ça y est, c'est le grand jour. Alors, on est normalement pour vous le 15 août. Ce défi. Donc, je vais répéter un petit peu ce que j'ai déjà dit dans la vidéo blabla d'avant, parce que comme c'est un blabla, peut-être que ça s'est noyé dedans. Donc, on a lancé avec trois chaînes, on lance un défi lapin, mais cette collection de lapins là, pas n'importe quel lapin, cette collection. Il y en a pas mal déjà qui ont rejoint l'événement, on va dire. Qu'est-ce que je peux... C'est en vrac, je suis désolée, c'est pas organisé, mais c'est comme d'habitude avec moi. Donc, j'organise ce défi après la suggestion de Monique, qui est une abonnée à beaucoup d'entre nous. Et j'ai avec moi Marina de la chaîne Marina et ses diamants et Gwen de la chaîne Minimeux Diamond Painting. On est toutes les trois sur ce coup-là, comme ça on peut un petit peu se relayer s'il y a besoin d'organiser des choses sur le groupe. On a créé un groupe Facebook qui s'appelle Les Lapins PDC en folie, donc les lapins point de croix en folie, mais en tout cas le nom, je vous l'affiche à l'écran maintenant, c'est Les Lapins PDC en folie. Non, en fait je vous affiche rien du tout, je vous mets le lien en barre d'infos, ça sera plus simple. Donc lien du groupe Facebook en barre d'infos. C'est dans ce groupe que tout va se passer, que les échanges vont se faire, que vous pourrez poster ce que vous voulez en rapport avec ça, bien sûr. On s'entend, hein. On va aussi, soit Minimeux, Marina ou moi, poster, faire un post par semaine pour regrouper, réunir toutes vos photos, toutes vos avancées. Puis en même temps, ça permettra de faire vivre le groupe régulièrement. Voilà. Alors, ce défi, il débute, en fait, alors, officiellement, parce qu'il faut bien lui donner une date de début, on va dire qu'il démarre au 1er septembre. Mais les toiles déjà démarrées sont acceptées. Donc, en fait, si vous voulez démarrer votre lapin maintenant, démarrez-le maintenant. Si elle est déjà entamée, que vous l'aviez laissée tomber, mais que vous voulez la reprendre pour le défi, faites-le, il n'y a pas de souci. Si vous voulez la... Oui, j'ai déjà dit la démarrer maintenant, Céline, tu te répètes? Oui. Enfin bon voilà, donc en tout cas officiellement ça démarre le 1er septembre. On se laisse minimum 6 mois pour y aller tranquillement. Il n'y a pas d'avancée imposée, chacun avance à son rythme. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, si dans 6 mois on est tous à la ramasse, on n'a même pas fait un tiers de notre toile, on est tous à la moitié ou voilà, personne n'a fini, j'en sais rien, que sais-je. On continue, hein, la fête se continue, c'est pas grave, c'est même très bien. Voilà. Avec les filles, on vous organisera aussi un petit concours, on ne sait pas trop quand, au début, au milieu, à la fin, n'importe, on s'en fiche, puisque ce concours ne sera pas sous condition d'avoir terminé sa toile, c'est juste, la seule condition, c'est de participer au défi, c'est d'être dans le groupe, d'avoir une toile lapin et de la travailler en ce moment avec nous. Voilà, c'est tout. Ça sera la seule condition. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Si vous avez des questions, bien sûr, vous me retrouvez en commentaire sur le groupe Facebook. Voilà, et puis bah, moi je vais vous montrer la toile que je vais faire pour ce défi. Donc comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo blabla, je vais prendre ma petite toile lapin de Noël. Oui, bah parce que je pense que je vais la démarrer à la rentrée en septembre. Du coup, septembre, octobre, faut pas rêver, je vais pas la faire en 2 mois, hein. Donc je pense que arrivé novembre, décembre, je vais être très contente de travailler sur du Noël. Voilà, alors je vous la remonte brièvement parce que vous avez déjà vu l'unboxing, mais bon, la toile de Noël, c'est celle-ci. Et on est pas mal à la faire, je crois bien. J'ai vu pas mal de gens dire déjà. On est déjà une petite vingtaine sur le groupe, alors merci beaucoup à tous ceux qui nous ont déjà rejoints. Et en plus de ça, ah oui, ça c'est un truc que je vais faire aussi. Pas mal de chaînes YouTube qui nous rejoignent dans cette aventure, donc on va faire un post spécial pour ça, que vous ayez les liens de toutes les chaînes qui vont participer. Et puis ça vous permettra d'aller les voir, de les découvrir pour celles que vous ne connaissez pas. Voilà, donc ça c'est la toile que j'ai pris. Oh, je l'aime trop. Comme toutes mes toiles, je les aime trop, c'est comme ça. Beaucoup de bleu, hein. Voilà, beaucoup de bleu, de rouge et d'orangé parce que c'est Noël. Je vous fais pas de détails. C'est juste pour vous montrer ma petite toile de Noël. Elle est là. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente de démarrer des lapins. Et je suis encore plus contente de faire ça avec vous toutes. Vous imaginez pas comment. Voilà. Trop trop contente, regardez. Donc voilà. Pour celle de Noël. C'est ce que je vais attaquer avec vous.
Voilà. Je l'aime trop, elle est trop belle. Bon, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. C'est une toute petite vidéo. J'espère que j'ai rien oublié, hein. Parce que je me connais, hein. Bon, bah si j'ai oublié quelque chose, vous verrez encore des messages arriver à l'écran. Mais je ne pense pas. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre. Je sais que parmi mes abonnés, dans les vidéos que j'ai pu faire, différentes vidéos que j'ai pu faire sur cette toile-là, parmi mes abonnés, il y en a qui en ont. Il y en a qui me disent, j'ai craqué, ou alors celle-là, je l'ai, ou oh, je vais me la prendre, elle est trop belle. Donc c'est le moment, vous dégainez vos lapins et vous venez avec nous. Voilà. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à tout de suite. Bye bye.